Bonjour à toutes et à tous, c'est Raven pour une toute nouvelle vidéo de mon let's play sur Pandora Sower. Juste dans l'épisode précédent, on avait donné les deux dernières chars de maître à Elena. Et donc maintenant, on se retrouve face au boss final, Zeron. Zeron, qui, vous l'aurez compris, j'ai pas trop expliqué à la fin parce qu'en fait, je me suis retrouvé directement face au boss alors qu'avant, je croyais qu'il y aurait une petite cinématique et qu'il y aurait une petite pause. Mais en fait, non, même pas, là, on est dans la phase où, hop, on est directement dans le combat ici et en plein milieu de l'observatoire. Tant pis, désolé pour ça. Et donc, qu'est-ce que je voulais rajouter? Donc, en fait, Zeron, on l'aura compris, en fait, c'est la femme dont on a les flashbacks à chaque fois qu'on donnait un bout de chair de maître à Elena. Donc, comment se passe ce combat? Comme... Oh, putain. En fait, ce combat est simple, il a plein de chairs de maître. Comme on dit, son but c'était d'unifier les préceptes, et il sert bien à ça. Du coup, en fait, il a plein de pouvoirs, plein de chairs de maître, et le truc, ça va être de devoir les détruire. Une à une. Donc là, on en a vu deux, déjà. Une qui fait apparaître les bouts de terre par terre, et l'autre qui nous jette des flammes. Donc ça doit être les maîtres de la terre et les maîtres du feu. Et je vais me contenter de tirer dessus, parce que ça lui fait déjà bien assez de dégâts. Hop là, on va éviter... Faut que je fasse gaffe parce qu'il a des attaques qui font très mal. T'as pas envie de jeter ton autre... Aïe. Pourquoi tu veux pas le choper? Chope-le. Merci. Oh putain, cette attaque surtout fait très mal si je me souviens bien. Donc j'aimerais tant qu'à faire éviter de me la prendre. Voilà, presque détruit la chair de maître du feu, qui déjà celle-là est très chiante à détruire. Donc si celle-là déjà j'arrivais à l'avoir, ça serait déjà un gros plus. Il va me charger normalement. Ah non, il va directement passer en mode chair de maître du feu. Donc tant mieux. Sauf que forcément, la chaîne n'est pas assez tendue parce que l'ennemi s'est remplacé en plein milieu de la salle. Je te déteste, ennemi. Je te maudis. Mais bon, c'est pas grave, on va y arriver. Normalement, ça devrait le faire. Hop. Donc je le précise, ça c'est la fin de l'aventure qu'on a fait tous ensemble en même temps, ou alors peut-être, je pense qu'en même temps, je mettrai en ligne une autre vidéo où on affrontera le boss dans sa version S. C'est-à-dire... Aïe.
Pourquoi t'as disparu, Wiimote de merde? Je te déteste. Et d'une de moins, ça c'est fait. Donc la chair de maître côté terre, c'est fait, elle a disparu. La chair de maître côté feu, c'est fait, elle a disparu aussi. Et pouf, Zeron explose. Elena. This is it. If we hold the towers together with Elena's powers, we could bring this war to an end. But a wiser course would be to take this chance. To unite the whole land under the flag of Illyria. After all, the towers were for the military's exclusive use. Aeron, you're the only one who can do it. You can command our forces and influence Elena. In the year 511 of the Unified Era, the Kingdom of Illyria lost patience with Athos, who refused to accept their conditions for a peace treaty. An army division headed by Elena was formed, made up of the servant beasts that dwelled within the towers. Spearheaded by this force, Illyria invaded Athos. Within a short time, the capital of Athos fell. The Kingdom of Illyria united Imperia under its flag. Old rulers were deposed, and the Illyrian era was ushered in. Quoi qu'en fait, j'en sais rien. Je vous ai laissé la fin défiler, mais en fait, j'ai dit que j'en sais rien. J'hésite en fait. Peut-être que je vous mettrai toutes les fins, peut-être pas, je verrai. Donc là, on a la fin où, en fait, Elena devient un monstre, et donc Aeron est recruté par le royaume d'Elyria pour la contrôler. Et Mavda est là, donc fin, toujours ensemble. Donc, choisir un chapitre, choisir une fin, on a la fin, c'est... Donc, moi je vous quitte ici, et puis en attendant, on va passer directement à la fin S pour ce qui est de... sur mon autre sauvegarde. Allez, je vous dis donc à la prochaine, enfin à tout de suite pour ceux qui voudront s'enchaîner les deux vidéos, pour la vidéo de la fin S. Allez, à plus, bye! Merde, raté. Allez, à toutes. A tout de suite ou à plus. Aïe.